le fait de travailler avec du vivant, bah, je sais pas, ça fait se lever le matin, ça fait travailler tard parce que je peux pas aller au lit en me disant que j'ai pas donné à manger à tout le monde et que tout le monde n'est pas en sécurité. C'est pas pesant. En fait, moi, j'aime ça, quoi. Ouais. J'aime m'occuper, en fait, enfin, prendre soin. C'est un peu remplacer la vie de famille. Non, Lily. Voilà. Il y a Philippe qui arrive. Hop. Parfait. Ouais, super. Philippe. Ok. Voilà. Tout le monde est là. Il y a Chanterelle. Il y a Corina. Chaque bête a son nom. La chef, c'est Jacobina, parce que c'est un mouton de Jacob. Puis après, souvent, c'est des noms de fleurs si elles naissent au printemps, puis des noms de champignons si elles naissent en automne, comme Chanterelle, Maury. Alors, qui c'est qui veut des bébés? Puis au printemps, il y a Arnica, Berberitz. Enfin, ça fait tout un pâturage printanier. Si j'étais pas responsable de ce coin de terre que j'ai acheté, parce que chez les humains on achète, mais pour moi c'est pas acheter, c'est être responsable, je serais bergère dans les montagnes plus haut, mais je ne peux pas faire les deux. J'aime bien cette proximité avec les bêtes, parce qu'en été elles sont à l'alpage. Puis après, quand elles reviennent, bah, il faut organiser des parcs et j'ai l'impression que je suis une architecte pour elles. Ce qui me touche, je crois, c'est ce compagnonnage entre l'humain et le mouton. Que originairement c'était des mouflons sauvages. Plus on a appris à se connaître, plus on s'est rendu compte qu'on pouvait s'entraider aussi. J'imagine toujours si j'avais été une femme il y a 14 000 ans, puis que moi je m'étais aperçue que là où il y a des mouflons, il y a une meilleure herbe. Et moi je vais profiter qu'elles ont passé par là, ces bêtes, pour essayer de planter quelque chose qui va encore pousser mieux, donc je vais suivre le troupeau, puis si ça se trouve, je vais peu à peu les connaître et les apprivoiser. Cette femme, il y a longtemps, je pense qu'elle a compris qu'elle pouvait collectionner les poils des mouflons à l'époque, puis pour commencer à filer, à tisser, à faire des liens, en fait, pour faire tenir les choses. Je me rappelle qu'il y a 30 ans, j'allais encore à Herzogenbourg à la centrale lainière de Suisse. Et il y avait des tonnes et des tonnes de laine. Et puis j'achetais de la laine là-bas pour aller faire de la teinture ou du tissage. Et cette centrale lainière, elle a fermé. Et puis depuis, en Suisse, on savait plus quoi faire de la laine. Et pourtant, les moutons, il faut les tondre une ou deux fois par année. Donc du coup,
les paysans, les éleveurs ont commencé à la jeter. Et puis, pour ça, avec des amis, on a créé une association. L'association de la filature de l'Avançon, qui a pour but de valoriser la laine locale. J'aimerais beaucoup associer le plus possible de personnes de la vallée pour vivre cette aventure. D'ailleurs, on travaille notamment avec un grand éleveur dans la région. J'ai beaucoup d'estime pour lui, notamment parce qu'il a fait le pas de nous confier en fait la laine de ses moutons. On s'arrête au bout du piquet vert, puis on aura pour fermer. J'avais prévu de fermer ça, j'avais pensé qu'il n'y avait pas trop, mais là il y en a beaucoup. Faut continuer. C'est un agneau du biberon. C'est Isabelle qui l'a élevé au biberon. Une brebis qui a mis bas 3 agneaux. Elle a laissé un de côté. Voilà. C'est un meneur. C'est un petit meneur. Dans ce groupe. C'est mon gars. C'est beau. J'aime beaucoup le bergamasque avec les oreilles qui descendent. Je trouve que c'est un mouton qui est rustique, qui est simple, qui se mène bien, qui est résistant à toutes les météos, qui a une belle laine. Et j'aime voir les gros troupeaux quand ça marche, les oreilles qui flottent comme ça. C'est beau. J'exploite un troupeau d'environ 800 bêtes. C'est le revenu principal de l'exploitation, c'est l'élevage de moutons chez nous. C'est pas du tout la laine. Plusieurs années, elle ne valait rien. Beaucoup d'agriculteurs l'ont mis à la poubelle, l'ont incinéré, ils l'ont foutu loin, ils en ont mis en litière dans les bergers. Ça repart doucement. Dans la région, il y a 2-3 trucs pour faire porter la laine. Il y a Martine avec l'association La Filature de l'Avançon qui se démène très bien, qui a beaucoup de personnes qui l'entourent et qui l'aident. J'aimerais bien qu'elle y arrive parce que toute cette laine, c'est quand même une matière première qu'on a en Suisse. C'est des vêtements, c'est de l'isolation, c'est beaucoup de choses qu'on a besoin ici. Il faudrait la mettre plus en valeur. Ça marche pas. Ouais, j'aime ça. Tu peux pas. Juste la plateforme, mais on l'a mal. Alors justement, je sais pas qu'est-ce que je dois faire. J'ai essayé de tenir, mais en fait, si je tiens le museau, elle bouge encore plus. Évitez que le plonge en arrière. Ouais, c'est bon. Voilà. Là, ça a fait claque. Donc, c'est parce qu'elle a bougé. Par là. Ouais, super, ouais, comme d'habitude. Ouais. J'aime bien que les gens viennent à moi comme ça, c'est un sacré cadeau. J'ai pas trop le temps de bouger ailleurs, mais les gens viennent à moi, puis c'est très enrichissant. On parle d'écologie appliquée, on parle de maladies des animaux, on parle de laine, on parle de... C'est jamais, jamais fini, jamais. C'est... En fait, c'est pas tranquille le vivant, c'est comme ça, c'est pas tranquille. Quand c'est tranquille, c'est mort.
suis tondeur de mouton. Souvent, quand je dis ça aux gens, je dois répéter une deuxième fois parce qu'ils comprennent pas ce que je fais, mais oui, c'est un métier. Celle-là. Ah, c'est bon, comme ça sort. Il n'y a pas tout le monde qui est comme Martine. Ouais. Là, je pense que c'est une passionnée de la laine, de ce produit. C'est l'animal qui nous donne ça. Et puis je pense que c'est ça qu'elle aime, ouais, qu'elle trouve fantastique. Tu veux du spray, moi je mets, si jamais. Ah, tiens, c'est bon. Tu veux? Ah. On va la trier, la laver, la passer au loup, la carder, puis après soit la feutrer, soit la tricoter, soit la tisser. En tout cas, on en a pour des heures de travail et de partage, attention, et de partage. Ça se fait pas seul. Un vrai travail d'équipe. Moi, je relie un peu tout le monde. Si vous avez des pois noirs, oui, il faut les mettre de côté. C'est chenille en fait. Il ne faut pas mélanger les couleurs. Ah, okay. Nous, on a dit qu'on faisait un sac de noix. Vous en avez ça va, si vous voulez ce sac pour le noir. Ouais, ok, super. Voilà. Bah, voilà. Ouais, alors, on met là. Ouais, ok. Alors, qu'est-ce que tu voulais marquer? Vas-y. Je voulais mettre le trier bio. C'est sympa de faire ça. Et puis le fait de savoir que cette laine est un déchet, considéré comme un déchet, ça m'a quand même aussi choquée, comme tout le monde. Donc j'ai décidé de participer à cette valorisation de la laine. Ce qui est impressionnant, c'est la capacité de Martine de fédérer les gens autour de ses projets. Et voilà, je suis prise dans l'engrenage, mais j'ai beaucoup de plaisir. Moi, j'étais fière. Mais c'est ça, c'est pour le mouton. Ouais. Hier, j'ai filé la laine qu'on a cardée l'autre jour. Ouais. Bah, même dans le fouet, elle est grasse. Elle est trop grasse. Même dans le fouet. On a beaucoup de projets qui ne sont pas encore tout à fait aboutis. Pour l'instant, l'association, elle offre des prestations artisanales. Et puis, on va essayer de passer à quelque chose d'un petit peu plus mécanisé pour produire un peu plus et vendre des produits à partir de la laine, vraiment des troupeaux de par ici, quoi. Je ne suis pas convaincue qu'elle maîtrise toujours toute son énergie. Donc des fois, elle se lance dans des projets à fond. J'aurais presque tendance à la freiner des fois, tellement que ça va vite. C'est pas que ses projets sont mauvais, mais je pense que justement, elle se surestime un petit peu dans son énergie. Mais c'est ce qui fait son charme, c'est qu'il se passe toujours quelque chose. Justement, on ne s'embête pas. Ce qui me repose en fait, c'est de ne pas devoir structurer ma journée. Par exemple, quand je suis seule, j'ai une manière de travailler qui est très en spirale. Je commence avec une chose et ensuite je me laisse emporter vers une autre, qui m'emporte vers une autre. Par moments, je me perds
Puis à un moment donné, dans la journée, je me dis, ah là, il va falloir revenir à boucler la boucle, en fait. Puis du coup, je sais pas, je reboucle. Puis le soir, j'ai l'impression d'avoir fait tout ce que je voulais faire, mais par petites touches, comme une mosaïque. Et puis ça me repose. Mais moi, je suis beaucoup moins curieuse, en fait, quand je suis avec des humains que quand je suis sans humains qui m'entourent. Du coup, je m'intéresse vraiment à mon environnement. Tout m'intéresse. Ici, chez moi, j'essaye d'imaginer... Je crois que j'ai mis en place un espèce de cycle dans lequel je peux m'inscrire, qui est un micro-cycle de ce qui se passe en fait partout. D'être le plus autonome possible et ouais, le plus d'utiliser en fait toutes les ressources qui sont disponibles. Je suis pas une solitaire, mais j'aime la solitude. Je renoncerai quand même très facilement à ma vie de plaine, où j'y vais pour l'argent. Je suis travailleuse sociale. Je travaille avec les humains qui ont traversé la planète pour revenir chercher protection, les migrants. C'est très enrichissant, mais ça fait quand même plus de 30 ans que je fais ça. Puis je suis un petit peu fatiguée de passer d'un monde à un autre. Pour moi, qui suis pas du tout quelqu'un de calme et de tranquille et de sage, il me dit en fait qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont très graves, pas beaucoup de choses qui sont très importantes, et puis qu'il m'apprend à faire les choses lentement, parce que lui, il est lent. Par contre, il est très concentré sur ce qu'il fait. On pourrait dire qu'il est en pleine conscience en permanence. J'aime beaucoup l'artisanat parce que j'aime beaucoup le savoir-faire rudimentaire, quoi. Mais j'aime bien aussi les machines qui, un peu magiquement, produisent un peu mieux, un peu plus efficacement, en fait. J'ai acheté une cardeuse cette année, puis je suis très fière de ma cardeuse. Elle est chez mon amie Suzanne, avec qui je travaille beaucoup autour des moutons. Elle avait un super garage où ça allait très très bien pour produire cette laine cardée. Non, ça fait rien. Ouais, je fais avec le village.
J'aime bien que ce projet d'association de valorisation de la laine, j'aime bien qu'il nous fasse nous connaître et puis qu'il mette en évidence en fait des compétences qui sont peut-être oubliées, mais peut-être aussi encore existantes, et puis qu'on les valorise. Dans les vacances. C'est comme ça qu'on donne le goût. C'est très... Ouais, ils ont bien aimé. Ouais. Puis nous, pour nous, c'était vraiment très chouette, ça. C'est pas par où ils nous ont connus. J'ai dû arrêter mon élevage pour raison d'âge. Et puis, ça m'ennuyait d'avoir appris tant de choses avec la laine. Et je me suis dit, maintenant que je suis à la retraite, j'ai un peu plus de temps. Et puis, c'est tout à fait par hasard, au marché au Diable Vert, une petite jeune fille, enfin, elle est venue vers moi, et puis elle est venue voir mon stand, et puis on a parlé laine, puis elle m'a dit, oh, mais on est en train de créer une filature, donc de l'avancement. Et puis j'ai dit, oh, mais alors, faut me donner les coordonnées, moi, ça m'intéresse, j'aimerais bien encore côtoyer les gens qui travaillent la laine. Et c'est comme ça que je suis venue dans l'association. Je ne serai jamais à la retraite, jamais. Tant que je suis vivante, je vais intervenir dans cet environnement. C'est comme ça que je vois le travail. J'ai pensé que peu à peu, je m'entourerai d'animaux plus légers. Je vais m'entourer de brebis de Ouessant. C'est une race, c'est la plus petite race de moutons du monde. Et ça me conviendra parce que j'arrive tout juste à les porter. Non, j'arrive à les porter. Dans 20 ans, j'arriverai tout juste à les porter. Alors, vous êtes déjà mieux. Non ! Non, elle m'a échappé ! Oh, c'est pas vrai ! Je la laisse un petit peu tranquille. Je vais chercher l'autre. J'aime beaucoup la nuit parce que j'ai l'impression que les animaux m'invitent dans leur monde. J'ai jamais entendu le loup hurler chez moi. Tant mieux pour mes brebis, puis tant pis pour moi.